Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le commissariat provincial de la police de Kinshasa a procédé le mardi 2 août dernier à la restitution de véhicules taxis surnommés Ketch par les Kinois qui étaient saisis pour non-respect des mesures sécuritaires prises par les commissaires provinciaux de la police, le général Célestin Kanyama, obligeant le propriétaire de véhicules teintés à les déteindre. Prenant la parole, le général Célestin Kanyama s'est exprimé en ces termes. Oui, que nous avons connu Bakaya insécurité dans Mitukao et Kinshasa. Et ça, oui. Ok. Les lots, baza kozungu sabino mituka oya bao ba remplacer ba vitre. Bao ba sali yangote, vous avez que la journée d'aujourd'hui. Ceux qui ont remplacé ba vitre, non, journée à l'élote, lobby bobani kofutana ba mande na dégérate. L'État a kati bambo monaye pour na boboi koyoka. On a largement expliqué, bao ba kosala yangote, journée à l'élo et taliba. Merci, ma général. Ba vitre remplacé comme baninga ba sali. Une mesure qui se fait salvatrice, surtout pour la sécurité des Kinois. Une importance non cachée par le commandant de la ville de Kinshasa, le général Kanyama. L'opération continue. Je vous ai dit l'opération continue. De la même manière que nous libérons, nous dégageons des véhicules déteintés. Et ceux qui sont teintés, les véhicules qui sont teintés, on va les récupérer pour qu'ils suivent les mêmes pas. Puisque ce sont des véhicules qui nous ont causé énormément de problèmes dans la ville. Et que cette fois-ci, ça commence à marcher. C'est une bonne chose, c'est une bonne opération qu'on ne peut pas arrêter, on continue. Après vérification et identification de ce dernier, les responsables et propriétaires de véhicules Ketch n'ont pas manqué à dire. Rappelons que le commissariat provincial de la ville de Kinshasa avait signé un communiqué officiel donnant un ultimatum de 48 heures, c'est-à-dire du 19 au 21 juillet 2016, aux propriétaires de véhicules à vitres teintées de les déteindre en déant les délais impartis sous peine de sanctions.